Vous faire step up tout ça. C'est vrai boxer en face. Il y a moyen, mais c'est pas son pseudo de base. Mais c'est possible, hein. Il est déjà sur la lane. Si, c'est lui. Ok, ok. Il utilise rarement ce compte-là, alors. Bon, je suis pas là pour gagner ma lane. Je sais pas si on gagne, let's go, hein, mais... Sans perdre les CS, c'est mieux. Oh, nice. Bah, attendez à Sim Dodge. Très spécial comme choix. D'avoir pris le Z level 2. Enfin, j'ai pas le level up. Ok, elle a loupé ce bien canon. C'est pas mal. Il a pas pris cookie. Je crois pas qu'il ait de cookie les gens. Le niveau point de vie il est quand même très bas. Ah mais il a le level. Ah non, bien joué. Je suis obligé de back. Pas de back. Je suis obligé de le laisser back. On va faire de même. Ok. 17 à 22. Très bien. Ah. I'm dead. Because my E doesn't jump. Ah ouais. Il est pas passé à... Pareil, bizarre. En fait, il s'est pris le CC de Cassenter en même temps. Ok. Pour l'instant, on se trade back correctement, on va dire. Et il a pas de potion plus que ça. Ah bah si, il avait bien des cookies. Ah, il avait use fast, j'avais pas fait gaffe. Oh, petit 105 de damage. La satisfaction du top laner, vraiment. Oh! Je l'ai out trade. Ok, on a pu garder la wave à côté de la tourelle. On va claquer une pote. 66 de damage, ça va. Il nous laisse beaucoup d'opportunités quand même de petits trades, je trouve. J'ai un peu grid quand même là. On a tous les deux fins là. Ah merde, il est 6. Ouais, bah ouais. Oh non. Oh, j'y ai cru. Quoi, il est pas mort? Oh, cette laning phase. Ah, ça a chaté des deux côtés, hein. Si ça a pas touché, ça sert à rien. Ah mec, on se trade, hein. Les gens qui trouvent que les match-ups de tank c'est ennuyant, on s'est tapé dessus. Il y a le Viego pour ramasser le farm. Ah, la wave a rien d'être bien. Hein. Il y a eu trop de chance, mais des deux côtés, franchement.
Après, on va pas se mentir, j'ai fait une rune qui est pas très respectueuse pour faire des trades comme ça en early game. C'est pas très très respectueux de partir conditionnement. Second souffle est bien mieux sur ce match-up, mais... Mais en late, conditionnement, c'est cool. Bon, dans tous les cas, c'est rentable pour moi, le move. Maintenant, faut que je fasse gaffe, quoi. Cela, plus ça va et moins le match-up est cool. Après, il a... Staff disadvantage parce qu'il est derrière en farm. Il va être un peu derrière en XP aussi. Être devant sur ce match-up, c'est une très bonne chose, hein, vraiment. Les match-up tank, c'est pas que ça s'abasse pas, c'est que personne veut mourir. C'est vrai. Avec un Jax Rindhammer, il y a plus de... Oh oh. Petit flop. Tu refuses de... J'étais en mode dans ma tête, ça va passer sans problème. Non mais j'avais trop d'avance en farm. Fait que je loupe le super canon de chat. Trop facile le jeu sinon. Très peu d'intérêt. Oh, le Viego est bien dans la game. 0-3-0 notre jungle. J'imagine que c'est la faute des murs. You absolute fucking moron. Ok. T'es lâché. Il avait besoin d'en parler. Il avait fait un très bon début de trade et puis après il s'est relâché. La garde de la poigne. Ah mec, c'est trop bien. ...166 quand même. Ok, il a encore un cookie, une potion. La balle est au centre. Ok, il a l'avantage de la vision. Il a aussi l'avantage du jungle, donc en vrai, même si on a un petit lead sur la top lane... Il y a la jungle div qui peut sévir à tout moment. On va le laisser là, il est en train de push la wave, c'est très bien pour moi. Ouais, il y a Viego topside, ça m'étonne pas. En fait, au moment où il a posé la ping, je me suis dit... Je vais passer un mauvais quart d'heure. Ah les mecs, il y a Broxa dans low master. Genre. Enfin mid master, mais... Oh, quoique non, low master, maintenant qu'on monte à 700, 800 LP. Oh, dommage. Ouais non, peace and love. Il y a ton jungle qui joue au jeu. Tout va bien. Putain, je peux pas le goal là, genre, vraiment. C'est trop dangereux. Si le Viego est là, I'm dead. Mais en vrai, même en pur 1v1, je peux mourir si je fais un faux pas. Trop de risques. Non, ça va, j'ai cru que j'avais TP un tout petit peu trop tôt. On est pixels. Non, t'en reviens pas au moins. Ok, il a back beaucoup plus loin. Ah ouais, on se dit tout ça. J'ai perdu beaucoup trop d'HP. Du coup, je peux pas prendre de plaque là. ...350 LP maintenant, c'est low. Ouais, c'est low de fou. C'est une dinguerie, hein.
trouve ça fou de me dire que ouais, 350 LP, c'est pas... Enfin, un très gros truc. J'entends en mode, ouais, c'est bien. On va pas jouer top pendant 20 ans. Autant que j'ulti, je revienne avec mes potes. Mais je pense que je perds quand même une petite plaque. Ouais, c'est le matchup qui veut ça. On a quand même un petit peu de CS advantage. Ça me va. C'est juste dommage parce qu'il y a un moment donné où j'ai vraiment merdé, mais... Bon, on tient le matchup, on tient le matchup. Il a combien de talons? 1-3. Il est en train de revenir. Il y a un Kog'Maw Yumi, hein, c'est pas... Elle est pas finie la game. D'ailleurs, quand tu ulti Kog'Maw, s'il a la Yumi sur lui, ça va, la Yumi elle reste? Bah oui, ouais. Ouais, elle reste, c'est évidemment. Pas mort de Kaiser non plus, le bordel. Maintenant, c'est le moment... Là, c'est le moment où on se fait chier en tant que top lane. N'ayant plus de match-up, je ne peux pas me permettre de le trade. Du coup, on va juste se regarder. Proc de temps en temps la poigne, histoire de tout de même. Et on va farmer. Gentleman agreement. On trust la suite de la game. Ah. On va se devoir se casser. Ce que j'aimerais bien, c'est pas perdre la T2. Pendant que mon jungle est mort, évidemment. Ça, c'est pas drôle. Je voulais éviter la charge, mais c'était trop risqué en vrai. My bad. Difficile. Difficile moi là-dessus, mais bon. Vu qu'on se fait outsky à ce timing, ça vaut pas le coup de full roam. Mais tu veux faire quoi avec du full roaming? Genre tu vas perdre full XP, tu vas perdre encore plus ta tourelle. Non, c'est pas que tu te fais outscale. C'est que tu perds le match-up. Genre je me fais pas outscale avec Horn. Je vais être utile, mais à ma manière. Juste le pur 1v1 et pas mon avantage. Mais on peut largement le tenir. Et il faut que je farm pour être bien. Ah c'est plus une jungle deep frérot là, c'est... Toutes les lanes se passent bien, même niveau farm je suis content, je fais ma petite partie tu vois. Mais le jungle il fait que d'aller dans le jungle adverse et se faire gap. Palmarès de sa partie, se faire détruire la gueule. Alors là par contre faut que je fasse gaffe à un point. C'est le côté où le Cassianté a énormément d'espace sur la map pour pouvoir me go. Du coup à tout moment je prends très cher. Je peux pas... Je peux peut-être save le move. Ok. Tu peux handle au moins qu'on perde pas la T2. Le talon qui est allé pas top. Il m'a fait peur le talon. Hein. J'ai cru qu'on allait perdre énormément topside. Mais la Harry se fout royalement de ma gueule. T'es pétop. Ah, les midlaners qui sont bloqués dans leur côté de je suis mid, je dois TP mid. Venez, on évite de perdre du farm pour rien. Surtout qu'elle a pas d'ulti, donc je suis plus utile qu'elle sur un fight Drake quoi. Ouais, elle aurait... Oh, sinon, ça, elle aurait pu marcher vers la top lane et TP. Mais dans tous les cas, ça servait à rien de TP mid vu que j'étais là, tu vois. C'est très bizarre.
Pas très bizarre, je veux dire vraiment un misplay quoi. Tu peux toujours jouer à Atrox? Ouais, y a Atrox. Enfin, moi je le joue pas trop en ce moment. Ah oui, pardon, c'était ça la phrase. Mais Atrox est jouable, ouais. Mais j'avoue que j'arrive pas à le sortir. Je suis pas à l'aise dessus. On devrait se faire une semaine aussi de full train sur le petit père. Le Kog'Maw il est bien. Oh, il est très très bien le Kog'Maw. Oh, ouais, ouais, ouais. Kog'Maw Yumi, ça va être beau là. Larry qui me ping alors que j'étais en train de vouloir faire un move. Okay. Ça va, c'est un flash. Putain, elle s'accélère la game en vrai. Hein. J'ai osé dire, elle s'accélère la game, je suis en 0-0-0, mais on joue. Mais faut aller se faire foutre. Larry, elle a un problème contre moi. Je... Oh, le talon, il est parti. Spamming d'ulti. Par contre, attends, mais... Il y a des... Ah oui, mais cette ping, elle est depuis le début de la game. Ça fait 3 pings que je pète. Il avait vraiment besoin de le faire ce move. Il est en train de partir sur quoi avec ce stuff? Ah, sur la full MR dès le début. Ça fait tant de damage magique maintenant, Kog'Maw. Je sais que ça fait beaucoup de dégâts magiques, tu vois, mais tant que ça. Je pensais qu'il lui faudrait un peu d'armure. Là, il a juste les 30 de la Jack Show. Après, c'est vrai que même la Ginzo, ouais, non, non, ça se tient, ça se tient. C'est vrai que Kog'Maw, c'est un mage maintenant. Hein. C'est un sacré go player le midlaner, j'ai l'impression, ouais. Mais dans son ego, elle a perdu de l'XP bêtement. J'aurais bien cherché le 12 là. Le 13, pardon. Le 13, ça me fait upgrade mon item, c'est une superbe. C'est un des gros power spikes de Horn, on va dire. Moi j'aimerais bien finir à Sunfire. On a une bot lane diff, hein. Par contre, ils ont vraiment un vieux go overfed, mais. Nice, elle a pas de flash. J'ai l'impression que c'est overkill, mais un kill est un kill. Non, je sais pas ce qu'il veut faire, mais... Full all-in sur un... Sur un KSNT, ça va servir à rien. Tu veux tout hier me faire 1200 de damage magique en 1,5 via les items only. Donc bon. Après Twitch AP ça se fait, mais je sais pas si c'était ça. Mais... Ok, là je suis tank. 0-0-0, mesdames et messieurs, 20 minutes de jeu. Nous commençons à jouer la top lane. Nice, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a allé dedans. Ça peut être très bon pour nous. Hein. Oh, pas qu'il avait encore le dash. Yeah! J'ai été utile, chat. Let's go! J'ai trop voulu focus le Viego en mode shutdown. C'était pas le bon plan. Top diff. Ça pue un peu le bait quand même, mais... But go in. Bah non, justement, on aurait pas dû. Au contraire, même. Je pense qu'on a tous vu qu'il fallait justement pas y aller, quoi. Ça se voyait qu'elle était en train de bait, je sais pas pourquoi on a voulu le faire. C'est pas une idée. Pas une bonne idée. T'es vraiment pas loin de faire un first blood. Ouais, vraiment à ça.
La Ginzo transforme justement les crits en dégâts magiques maintenant. Ouais, plus t'as de crits, plus t'as de dégâts magiques sur la Ginzo. On n'a pas de visu du tout sur la map. Attends, mais on a zéro ward. Ah si, non, ça va, on en a une. On en parlait justement que la vision est pas évidente sur le jeu, mais... J'avoue que là, c'est chaud. Pourtant, il y a des pink cards dans l'inventaire, hein, mais... Ok. Là, on va avoir un beau Kog'Maw, là. Ginzo amélioré. Vitesse d'attaque, AP. Je sais même plus ce que ça offre d'autre. AD un peu, non? Ouais, si. Il y a toute la famille top. Oh, le talon a floppé. Le forgeron. On a un gros push mid, hein. Mais Kog'Maw! Votre item, monseigneur! Wow, il y a toute ma team qui se fait déchirer ça. Ailleurs par contre. Ça c'est pas très bien terminé cette histoire. Votre tourelle a été détruite. Le talon en imposteur, ouais, un peu. Un peu. Bon, niveau XP, on est toujours bien, là. Enfin, imagine, Talon, tu pourrais acheter des wards. Enfin, ça serait un truc de fou. Hein. On va faire l'anti-heal maintenant. Ils ont 6-0 leur jungle. Holy shit. J'ai ma TP, mais j'ai pas d'ult. Il est niveau 15. Waouh. Après c'est Broxa en face, no flame. Mais le problème c'est pas Broxa, c'est que le talon il fait un peu nimble quand même. Depuis le début tu vas pas me dire que c'est Broxa qui fait tout. Il joue bien Broxa, hein, je sais pas. Pas l'impression qu'ils ont la vision sur moi. J'ai eu peur, hein. Ouah, mais mec, la POV. Ah, mais du coup, ça m'a mis en caméra log. Je suis en caméra log. Mais... Quoi? Ah ouais, putain, ils ont créé un nouveau truc sur les summoners. Pas sur les spells. Putain, broken. Broken, le champion. Aïe, aïe. Je me suis retrouvé Keblo. En gros, il y a le Kassente qui m'a ulti. Kassente m'a ulti et normalement t'es propulsé avec, avec l'ult. Sauf que vu qu'il est mort en même moment, bah ça a fait tout un bug. Oh, j'ai des trucs à crafter moi. Alors Yomi first. Oh, Larry est parti. Oh, Talon alors, j'ai la flemme. Je suis parti dans les aigus, frère.
Mais ça m'a bousillé le cerveau, genre le positionnement était chelou, genre. Pourquoi t'as téléporté pour sécuriser un Drake pour, alors que vous avez... Ah, un baron, tu veux dire? Ouais, je sais pas. J'aurais pas dû TP. Milio, il est trop chiant son perso. Kog'Maw c'est illégal par contre, hein, vraiment. On s'est bien dans la game là. Et regarde, dégâts magiques, dégâts magiques, dégâts magiques. Et physique aussi. C'est vrai que c'était déjà pas mal de dégâts magiques Kog'Maw, mais là... J'avoue que j'en aurais eu besoin de cette épée, elle est vachement utile. Oh, la haute pause. Oh, j'étais en boss spec. Oh, le passif de Kog'Maw qui a tué... Talon. La Harry me déteste, frère. La Harry, juste, elle me déteste. Ah ouais, we're losing. Mais il est sérieux, le Talon. Il est en 7-9, il arrive quand même à marquer des messages en mode, putain, je comprends pas, les gars. Je fais tout mon possible et c'est impossible, la carry... Wow, le Twitch il me balance tellement d'auto-attaque. Il m'a balancé tellement d'auto-attaque le Twitch. Il s'est déchiré. Ça l'a mis très bien. Il a pris tellement cher. Wow. Eh bien. Attends, mais ma côte... Ouais, 1400 damage. Ça, c'est pas mal, par contre. J'avoue que tous les personnages on hit... Le Twitch, il a perdu 3 cartes de ses HP. Juste à cause de ma côte épineuse. Ça met bien, ça met bien. Si, ça proc pour les assists, mais peut-être que c'était il y a trop longtemps. Ou je sais pas si je l'ai pas... Je crois que je l'ai eu, quand même. Il peut rien faire. Putain, il a perdu cette game. Bon, après, il avait vraiment aucun teammate qui était bien, hein, mais... Oh. Eh bien... Non, t'as pas eu la suite sur le Twitch, je crois que ok. Ça m'a mis bien. C'était pas le passif, c'était juste le Viego en Kog'Maw. Ah, je croyais que c'était le passif de Viego en Kog'Maw qui avait tué le Talon. Alors, clairement pas elle. Faut que je regarde deux trucs. En vrai, ouais, on a fait une belle top diff, mais lentement, quoi. On a pris notre temps. Je suis content, c'était une bonne game. J'ai joué clean tout l'early game. Bon, il y a eu un peu de chance. Je vais juste regarder la première mort du Talon qui dit qu'il a eu un bug. Oh, j'avoue. Ou peut-être lui qui a misplay, je sais pas, je m'en rends pas compte si c'est possible. Mais du coup, il a plus de jump, quoi. Ouais, compliqué ça. Ça donne l'assist à l'Oriana. Je voulais regarder quoi sinon. Non, je crois que c'était tout. C'est pas normal, ouais. Ah, la 100 mètres, tu vas regarder.
Mais regarde les dégâts que le Tusk prend. Après, il y a aussi un sbire qui le pilonne, mais il a perdu les 3/4 de ses points de vie. Bah non, c'est pas compliqué. 1250 de damage. 600. Il a pris 600 de dégâts sur, sur ma thumbnail. Sur un perso qui a 1600, ouais, tu m'étonnes. Avec le sbire qui le tape derrière. Ah, KSMT qui a 3 levels de... derrière, c'est dur. Non, j'ai pas eu l'assist sur le Twitch, mais en vrai, ça faisait un petit moment déjà. Hein. Ouais, il y a eu un délai qui est normal, ça prenait déjà plus de 10 secondes.